monde, c'est Fitz! Aujourd'hui, le 9 janvier, lundi, bon retour au travail tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous que les vacances sont terminées, l'école est recommencée. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de trafic ou s'il y a du trafic, ben vous allez être bien accompagnés. Aujourd'hui, le 9 janvier, de qu'est-ce qu'on parle? On va parler du premier iPhone qui a vu le jour en 2007. Hein? On va en parler un petit peu parce que j'adore la technologie et j'adore la marque Apple. Fait que c'est un petit retour en arrière. On va parler d'une nouvelle tech-là qui va être sur les tablettes présentement, qui s'en vient à très, 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 très grand port, déjà disponible aux États-Unis. Comme d'habitude, là, nous autres, on passe tout le temps. Et une nouvelle formule pour les vidéos. Alors, c'est parti les amis. Bonne écoute. Le 9 janvier 2023, si on recule un petit peu en arrière, en 2007, Steve Jobs annonce quoi? Le iPhone 2G, hein? Première version du iPhone, et depuis ce temps, il y a eu quelques versions. On a présentement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40 versions différentes. Quand même, hein, depuis 2007, ça fait beaucoup de versions qui ont changé. Et ça a été vraiment le précurseur en tant que téléphone cellulaire. Le iPhone a révolutionné le monde de la téléphonie et du portable en tant que tel. Depuis ce temps, moi, j'ai tout le temps eu des iPhones pratiquement depuis le début. Les iPhones ont été créés au début comme un genre de AirPod. Au début, il y avait les AirPods. Puis après ça, ils ont mis... tu peux prendre des photos avec ton téléphone beaucoup mieux qu'avec ton flip. Pour naviguer sur Internet, ça a été vraiment une révolution. Aussi pour aller... pour la musique, stocker de la musique. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, c'est des bureaux portables. Tout le monde utilise un iPhone ou un téléphone intelligent, on va dire. Je sais, c'est pas tout le monde qui prend des iPhones. Mais, l'iPhone a quand même aidé les autres compagnies à se développer. Et je trouve ça vraiment cool parce que j'adore les iPhones. J'essaie de convaincre à peu près tout le monde que je connais de s'acheter un iPhone, puis s'acheter des Macs, puis s'acheter des tablettes de Apple, puis des montres intelligentes, puis des tags, puis des... Que si vous voulez, j'adore la compagnie Apple et j'adore l'iPhone. Fait qu'on n'a pas vraiment le choix. Le choix, là, mais si tu veux avoir un bon téléphone, prends un iPhone. Alors, Steve Jobs, c'est qui? Steve Jobs, si tu le connais pas, c'est un cofondateur de Apple, la compagnie Apple, et il s'est fait mettre un petit peu à la porte. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Fait que quand il s'est fait mettre à la porte, il s'est pas laissé débalancer. Il a parti Pixar. Ouais, les animations studios Pixar, ça appartient à Steve Jobs. Et il y a parti aussi Next. C'est un système d'application qu'on va retrouver surtout pour les Mac. Alors, il s'est fait racheter par Apple quand Apple allait un petit peu moins bien. Et c'est comme ça qu'il est revenu à la tête du CIO, du géant Apple, et qui a pu révolutionner vraiment le monde de l'informatique avec ses nouvelles technologies. C'est un des premiers à avoir fait un iPad. C'est cette compagnie-là, là, Apple, c'était un des premiers à faire les iPads, les premières à faire des téléphones intelligents, les iPhones. Et ça a été vraiment, vraiment, vraiment une révolution. Malheureusement, Steve Jobs était atteint d'un cancer du pancréas, comme ma mère, et il est décédé. Alors aujourd'hui, c'est un autre CIO qui est là, qui prend la reine, qui ont gardé un peu la même mentalité d'évoluer et de tout le temps améliorer le produit. Ils ne s'assient pas sur leur laurier. La preuve, c'est qu'ils nous sortent un téléphone environ par année, des fois plus. Puis maintenant, il y a plusieurs versions. Tu as les versions 1, tu as les versions Pro, tu as les versions CE, tu as les versions Plus. Il y a tout le temps un petit peu plus de choses. Toi, l'écran est plus gros, tu as les mini, tu as l'écran plus petit. C'est un peu comme rappeler le premier iPhone qui a été disponible. Parce qu'on va se l'avouer, des fois, à grosseur de téléphone que c'est un petit peu difficile maintenant de les promener puis les emmener, et on a tendance à les mettre dans nos poches et on les brise. Je sais qu'il existe des belles clips pour mettre sur le côté. C'est ça. Hein? Vous me voyez-vous avec une clip sur le côté? Je pense que je vais me faire un collier avec, par contre. Ça pourrait être quand même popé pour pas commencer à perdre mes téléphones puis les briser. Parce que normalement, moi, je les mets dans mes poches en arrière, puis quand je me penche, là, l'écran finit par... Ou je tombe dessus en déboulant l'escalier, mais je sauve les bouteilles d'alcool, par exemple.
Nouvelle sorte de tequila qui arrive bientôt sur les marchés. Une petite madame qui a fait... qui s'est fait connaître dans une série télévisée aux États-Unis. Et probablement que vous la connaissez toutes de nom. C'est Kendall Jenner, hein? La famille Kardashian. Ouais, vous avez tout entendu parler de cette famille-là. Même si vous ne suivez pas nécessairement ce genre de télé-réalité-là, tout le monde a entendu parler. Même Travis Barker sort avec une de ses demi-sœurs. Travis Barker, pour le monde qui ne savent pas, c'est le drummer de Blink 182. Fait que c'est ça, Janet. Kendall a décidé de partir une nouvelle sorte de tequila qui va s'appeler le 818. Fait que nouveau projet de tequila, elle va sortir trois sortes de tequila. Ben, trois sortes. Une Blanco, une Reposado, puis une Aginero. Fait qu'il y en a une qui va être blanc, l'autre va être ambré, puis l'autre va être plus épicé. Le nom de le commerce va être le 818. Tout simplement parce que c'est l'indicatif régional dans la région où elle a grandi. Fait que des fois, il ne faut pas chercher trop loin pour inventer des noms de tequila ou de boisson ou de compagnie. De plus simple. C'est souvent ce qui est le plus pratique. Alors, cette femme-là a commencé dans la mode, dans le maquillage, tu sais, comme les autres Kardashians. Puis, au lieu de se lancer aussi dans sa marque de maquillage, comme toutes ses autres sœurs, de vêtements et tout, ben, elle a décidé de partir de la tequila, pas parce que c'est populaire, là. Non. Parce que depuis qu'elle est tout jeune, ses parents boivent de la tequila. Et elle adore la tequila. Et c'est rendu une passion pour elle de boire de la tequila. Bah. En tout cas, il y a aussi The Rock. Hein? On se rappelle James Watson. The Rock, celui qui rouvre un œil plus gros que l'autre. Le lutteur qui est devenu comédien, qui est devenu animateur, comédeur. Puis en tout cas. Fait que The Rock aussi a sorti sa tequila. C'est rendu quand même une pompée de mode, la tequila, présentement. Ouais, on s'est tous saoulés à Tequila Bang Bang quand on était plus jeune, puis ça a comme fait plus de tequila pour personne. Puis maintenant, c'est devenu à la mode, c'est revenu à la mode la tequila. De plus en plus de personnes vont continuer à en boire, vont commencer à en boire. Je pense juste à mon ami Kevin Fu, que c'est un grand amateur de tequila, fait que c'est sûr qu'il va l'essayer, lui. Il va même au Mexique chercher sa propre tequila pour être sûr d'avoir des choses qui sont pas disponibles ici en Amérique du Nord ou au moins au Canada. Fait que, ouais, c'est un peu bizarre, Kevin, mais c'est pas grave, on l'aime comme ça. Fait que projet quand même assez cool. Elle fait faire cette équipe-là vraiment au Mexique. Alors, elle a parti une petite distillerie au Mexique et elle essaie d'être le plus possible éco-responsable. Elle donne 1% de ses profits à des organismes. Elle aide aussi la ville où elle est pour aider les citoyens de cette ville-là, pour les empêcher de rentrer dans la criminalité et de les éduquer. Elle utilise, je trouve ça vraiment cool, de l'énergie biomasse. Elle a des énergies solaires aussi, parce qu'au Mexique, c'est quand même bien d'avoir l'énergie solaire. Le système d'électricité est un petit peu moins bien fait qu'au Québec, on s'entend. Et on en manque plus souvent. L'autre chose aussi, c'est que ça coûte quand même relativement cher, l'électricité, dans ces pays-là. Fait qu'en étant au biomasse pour la chaudière et à l'énergie solaire pour le reste du système, c'est quelque chose qui va aider vraiment à, oui, avoir... T'sais, ça paraît bien sur papier, on est éco-responsable, mais aussi de ne pas rater de production et d'avoir tout le temps une constante, tout le temps régulière. La biomasse, c'est quoi? Ouais. C'est une chaudière qui utilise un peu l'organique. Fait qu'on peut parler des palettes de bois, on peut parler des bûches de bois, mais aussi parler de tout ce qui est déchets d'agave. Tu sais, toutes les choses de déchets d'agave, les cannes à sucre, on peut les brûler là-dedans, puis ça va dégager de l'énergie. Puis c'est comme un gros incinérateur. Hein? Un gros four qui brûle tout au complet, puis la cendre, après, elle vient vraiment dure comme du béton. C'est vraiment, ça prend toute l'énergie, ça gaspille vraiment rien. C'est pas comme votre poêle à combustion lente qui reste de la cendre après, puis des fois il reste un petit peu de bois qui n'a pas été brûlé. Ça brûle vraiment tout. C'est quand même assez éco-responsable, là. C'est 10 fois moins polluant que si on serait au gaz, au fuel, au gaz rouge, là.
10 fois moins, 5 fois moins que le gaz normal, gaz naturel, gaz propane. Alors, c'est quand même relativement bien. C'est sûr qu'il y a un coût relié à ça. Elle, dans son cas, ben, elle a des agaves, elle a des fermes d'agaves, fait que tous les déchets peut les passer dans sa chaudière, fait qu'elle n'a aucune perte, puis elle récupère vraiment tout, malgré que l'achat d'une énergie biomasse est quand même assez dispendieux. Petit fait cocasse, durant Noël, le 26, pour ne pas le nommer, on est allé manger chez des amis et ils m'ont montré sa chaudière biomasse. Je n'avais aucune idée c'était quoi. Puis c'est en regardant énergie biomasse que j'ai trouvé la chaudière, la même chaudière que j'ai vue, et que c'est quand même relativement vraiment cool comme système. Fait que si ça vous intéresse, allez voir l'énergie biomasse. C'est quand même assez dispendieux pour s'équiper. Mais une fois qu'on est équipé, il disait qu'il passait environ, pour un hiver au Québec, là, 10 ou 12 cordes de bois pour chauffer sa maison. Fait que c'est quand même relativement pas trop cher. Puis t'es pas obligé de rester là devant un feu comme d'habitude. Là. Tu mets une coupe de bûche dedans, puis t'es bon pour un méchant bout à pas en remettre d'autres. Fait que pour revenir à la tequila de Madame Jenner, Kendall Jenners, va être disponible présentement aux États-Unis depuis mai. Et la demande était vraiment grande. On s'entend, là, c'est une personne publique, connue, beaucoup connue. Elle connaît Toronto, elle connaît les Alpes, elle connaît l'Ouest, Westler, elle connaît ça, le Canada, elle. Toutes les places, c'est plus gamer, est allée. Fait qu'elle reçoit beaucoup de messages pour dire quand est-ce qu'elle va être disponible au Canada. Et je suis allé voir. SAQ, pas encore disponible, mais bientôt disponible. La Reposado va se vendre au prix de 84,75. Fait que c'est quand même une tequila un petit peu plus haut de gamme que la tequila Bang Bang. Mais dans la tequila, je trouve que c'est quand même assez important d'aller chercher un petit peu plus haut de gamme. Comme ça, on est sûr d'avoir un produit de qualité. J'ai hâte, vraiment hâte d'y goûter. Parce que c'est sûr, je vais en acheter une bouteille pour voir que ça goûte. On va voir au bar, là, ça va être disponible au laboratoire du brasseur. La petite nouvelle bouteille de 818 de Kendall Jenner. On va vérifier ça. En fin de semaine, justement, on était au bar, j'étais en train de servir les clients. Et quelqu'un qui me parlait de la tequila de Rock, il a acheté ça. Paraît qu'elle est vraiment bonne. Fait que ça aussi, si je peux mettre la main là-dessus, je vais vous montrer ça. Si vous avez la possibilité de venir dire un petit coucou en revenant du trafic, tu sais, maintenant que les rues sont ouvertes alentour du laboratoire du brasseur, ouais, on en reviendra dans une autre vidéo, mais ouais, tout l'été, les rues ont été bloquées, alors ça a fait en sorte qu'il y avait un petit peu moins de monde qui passait devant. Aujourd'hui, les routes sont ouvertes, fait qu'on peut passer, fait que si vous passez en avant quand vous allez travailler ou quand vous revenez de travailler, ben vous pouvez arrêter me dire un petit coucou. Nouvelle formule de vidéo. J'avais plein de bonnes intentions et plein d'idées pour les vidéos. Je voulais en faire un par jour. Malheureusement, j'ai remarqué que cette semaine, j'ai été capable d'en faire un par jour. Je me lève à 5h du matin. Fait que tous les jours, je me lève à 5h du matin, je vais prendre ma douche, je me prépare, puis je m'en viens filmer pour vous. De 5h, puis je finis environ à 8h30. Le temps de trouver les nouvelles, tu sais, j'en trouve dans la journée, mais tu sais, des fois, la journée est quand même occupée, fait que j'ai pas le temps de faire mon setup au complet. Fait que le temps de faire le setup, le temps de filmer, le temps de faire le petit montage miniature, parce que le but, c'était d'avoir le moins de montage possible. Mais quand même, ça fait quand même un peu de montage à faire. Fait que je vérifie que je coupe le devant, je coupe le derrière, puis je m'arrange pour que tout soit correct quand même. Je fais pas une réécoute complète comme que je fais à l'habitude, mais au moins, ça me permet d'avoir un petit suivi. Puis après ça, ben c'est le propulser sur YouTube, sur le podcast. Je le mets aussi sur Fitz le Brasseur. Si vous me suivez pas sur Facebook, Fitz le Brasseur, vous pouvez aller me suivre là. Alors, ça fait beaucoup de temps. On calcule environ 2 à 3 heures par jour que je mets sur ces petites vidéos-là pour vous informer, pour vous apprendre un peu l'actualité du jour, pour m'informer moi aussi. J'adore cette formule-là, puis je le fais pas parce que j'arrête pas de complètement de le faire non plus, là. Mais c'est ça. Fait qu'on va passer à tous les jours, à une fois semaine, peut-être deux. Ça va me faire en sorte que je vais avoir plus de sujets parce que l'actualité du jour, des fois, il n'y a pas grand-chose. Je suis quand même assez relativement chanceux de trouver des bons sujets assez régulièrement. Mais ça fait en sorte qu'on perd environ 12 à 18 heures de travail que je pourrais mettre sur les autres projets par semaine. Fait que si on le calcule à 18 heures par semaine, on va juste faire un petit montage vite, là, 18 x 52, ça nous donne
936 heures si on le divise en heures de travail. Ça me donne 23 semaines de travail de plus. Quand même pas pire, hein? Fait que 29 heures de semaine de plus à 40 heures semaine dans l'année pour travailler sur les autres projets. On va travailler, comme j'avais dit avant, on a plusieurs projets qui s'en viennent. Puis présentement, je suis en train de refaire tous mes sites Internet. Une fois que mes sites Internet vont être faits, puis quelques projets vont faire, on repartira plus régulièrement la production de ce petit vidéo-là, parce que je l'adore, j'adore faire ça, puis j'adore me renseigner sur plein de choses. Mais le temps que mes trois sites web principaux soient mis en ligne, je vais mettre un petit peu plus de temps dessus les sites web et un petit peu moins de temps dessus ces petits vidéos slash informatifs-là. J'ai décidé de faire ça sur ma chaîne secondaire qui est Fit, qui va avoir d'autres sortes de vidéos. Fait que je vous promets de faire plein d'autres sortes de vidéos de sur cette channel-là, qui va être aussi disponible sur ce channel-là. Le brasseur, là, il va rester, là, inquiétez-vous pas. On fait aussi une vidéo par jour sur le brasseur, un petit deux minutes. Je vais continuer à les faire ceux-là. Ça me prend beaucoup moins de temps qu'une vidéo d'une demi-heure, 45 minutes par jour. Alors, on va essayer de faire un petit deux minutes par jour si on a assez de sujets ou si on a le temps. Fait que nouveaux produits qu'on veut investir, on va mettre beaucoup de temps sur les sites web et on va s'arranger aussi pour que remonter un petit peu nos compagnies avec le 2022 qui a été un petit peu catastrophique. On va s'arranger pour que 2023 soit beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'avais deux, trois petits sujets que j'aimais bien et probablement qu'on va se revoir la semaine prochaine. J'ai pas décidé quel jour encore ça va être. Peut-être ça va être à tous les lundis, peut-être à tous les mardis, peut-être à tous les dimanches. Mais je vous garantis qu'on va faire une vidéo par semaine, sûr et certain, et qu'on va parler un petit peu de l'actualité de la semaine au complet au lieu de parler de l'actualité de la journée au complet. Si jamais il y a des sujets qui vous intéressent, que vous voulez que j'en parle, ben, je suis toujours à l'écoute. Et je vous dis bon trafic, les amis.